Salut, allez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Air Factor 2. Je vais vous présenter un mod donc, que j'ai trouvé sur Steam, sur le Workshop. Donc, c'est un mod gratuit, pas officiel. Alors, on va tout de suite aller sur la page du Workshop. Donc, c'est de Nick9320 pour lequel je vous avais déjà présenté une vidéo de voiture. Donc voilà, ça c'est la page de son workshop. De toute façon, je vous mettrai le détail, le lien dans la description. Donc ce que je vous ai présenté, c'était la Toyota GR Supra GT4, un excellent mod. Donc vous voyez, il en a fait plusieurs. Elles n'ont pas toutes eu des retours. Moi, je vais me concentrer ici sur cette Renault Clio RS Cup. Alors pour lequel j'avais fait, comment dirais-je, un retour. Somme toute très bon par rapport à la physique, mais négatif dans le sens où ça manquait de FPS et d'amélioration FPS au niveau de la VR. Donc je pense que ça peut également se voir sur la partie comment dirais-je, flat écran, mais moins, ça a moins d'impact. Forcément, VR, vous savez, ça demande plus de ressources et ça a été entre guillemets une catastrophe. Donc il y a eu pas mal de commentaires dans ce sens. Il y a une deuxième version, ça n'a pas été forcément amélioré, donc voilà, j'en ai rediscuté, j'ai de nouveau envoyé un message au mec qui a fait le mod, mais bon, voilà, je vous fais une vidéo dans ce sens-là quand même, parce que c'est un très bon mod, c'est juste dommage, cette optimisation un petit peu qui manque un petit peu de précision. J'ai dû baisser les détails graphiques. C'est pour ça que mon record de course que je fais juste après, il est un petit peu différent des autres parce que j'ai dû mettre des caméras autres que VR à certains moments, pour lequel c'était un petit peu difficile en termes de framerate. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à vous abonner à ce mode et à sa page en tout cas, parce que c'est quand même de la qualité qu'il propose en général, de ce que je vois. Là, je vous dis, visiblement, il n'a toujours pas corrigé le tir. Après, il n'y a peut-être pas beaucoup de joueurs VR qui ont demandé, mais en tout cas moi ça m'a posé vraiment problème et je l'ai vu tout de suite parce que derrière j'ai pris le même circuit à un autre véhicule, c'était nickel. Donc voilà, donc je me suis désabonné de ce mode, je me suis réabonné au cas où si l'installation n'était pas bonne, mais ça n'a pas été le cas. Donc très bon mode que je vous conseille avec pas mal de livrets. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description et se retrouve dans les commentaires pour en parler. Je vous laisse là-dessus, tchuss. 16, la température de l'air est 16. C'est parti, vert. Allez, on est parti sur 5 tours sur Donington. J'ai dû baisser un peu leur agressivité parce que c'était pas la peine. Oula, dérive ici. Le produit est un bien spécifique aux tractions. Donc dommage hein, pour cette optimisation. Il y a du monde. Bon, je suis un peu habitué parce que je fais le BTCC sur LFM en ce moment. Je ne sers pas, messieurs. Le freinage ici. Il m'a défoncé la voiture, lui. Il n'y a pas qu'aéro. Hein. Allez, on en profite. Thank you.
au freinage peut-être. Ouais, il se décale aussi. Voiture à gauche. Ils arrivent comme des malades au freinage. Allez, on est passé. On voit bien la voiture qui se lève au freinage. Allez, ici on va passer, je pense. Dans la montée. Et sixième, direction, oui, un petit peu tordue. Allez, on est sur le podium. Dernier tour, allez. 24. Il n'y a pas de push to pass hein, avec celle-ci. Toujours là. Toujours là. Mais bon. Allez, ligne droite pour essayer de se prendre la première place. 0.6. Je suis un peu loin et au freinage, comme je suis une quiche là-bas. Ah, ils le prennent en travers. Hein. Voiture à gauche, dégagée à gauche. C'est gagné, beau travail, bien joué. Alors, je sais pas pourquoi il y en a qui se sont arrêtés. Je termine premier. Bref, voilà, bah écoutez, on se retrouve dans les commentaires pour parler de ce mode, dire si vous l'avez essayé, et moi je vous dis à une prochaine. Tchuss.